que tu te souviens instinctivement de la date? Non. Si, 30, c'était le 30... 30 novembre. Le lundi 30 novembre 2020, le Vendée Globe, tour du monde à la voile, en solitaire et sans escale, d'ordinaire évocateur de rêves, vire au cauchemar, quand un coureur déclenche sa balise de détresse et se retrouve dans un radeau de survie en quelques minutes. Ce podcast Onde de choc raconte en une série de 6 épisodes cette histoire intense, celle du naufrage et du sauvetage de Kevin Escoffier, le skipper du bateau PRB, une histoire racontée par ceux qui l'ont vécu, en mer, à terre, les marins déroutés pour lui porter secours, la direction de course qui organisait les opérations, ses proches, sa famille, les membres de son équipe, et évidemment, le principal intéressé, Kevin Escoffier. Je pars en surf sur une vague, et là je plante. Je me rappelle très bien, je sens le bateau mou en fait. Et je lève la tête et je vois rien, et je regarde devant et je vois l'étrave qui remonte. Et là, c'est là où j'ai même du mal, je me rappelle très bien, j'ai du mal à y croire. Le bateau plié à 90 degrés, jamais je n'avais imaginé pouvoir plier le bateau comme ça. Je comprends que le Vendée Globe est fini, j'y pense même pas trop, et je passe plutôt en mode survie, quoi. Qu'est-ce que tu veux qu'on le retrouve, quoi? Il n'y a plus de balise, il n'aimait plus. On est 3 bateaux, 4 bateaux à chercher à... Ouais, moi je pense qu'en même plein milieu de la nuit, je pense que c'est mort, quoi. Et là, je me dirige vers ce point-là, et là, je vois que ce point-là, ce point lumineux, si tu veux, devient... Au début, il est très intermittent, avec les vagues, etc. Et puis, il devient de plus en plus visible et fixe. Ça laisse des traces, tout ça. C'est très fort. Je sais pas comment on pourrait expliquer ça. On est un peu frères de sang, après. On a vécu quelque chose ensemble qui était assez incroyable et unique. On a une chance énorme, en tout cas pour nous. Parce que pour le grand public, voilà, ça ferait des super images sensationnelles. Il n'y a pas d'image. La seule image qu'on a, c'est l'image de Kevin à bord qui sourit avec Jean. Donc c'est la seule image. Quand on parle du naufragé, on parle de ça. Et c'est aussi ça, le point de départ de ce documentaire. La volonté de raconter cette histoire par l'audio et de vous proposer à vous, auditeurs de ce podcast, une expérience qui commence par le récit de ces 9 témoins et qui se poursuit dans votre imaginaire. T'entends les vagues, t'es de nuit, t'as tout qui tremble, c'est avec le vent, t'as des ferles de partout, c'est pas chaud. C'est du vent qui vient de l'Antarctique, donc c'est un vent qui est très froid, qui est très dense. Tu sens les mouvements de vagues. La mer était très formée, donc la visibilité très faible. Il y a le bruit, ça siffle. Et ça, ouais, ça fait monter le cœur un petit peu quand même. Onde de choc est produit par Podio et par Qd. Le premier épisode sera mis en ligne le lundi 31 mai sur toutes les plateformes d'écoute. Abonnez-vous pour ne pas le manquer. Bon, il y avait une bande dans le magnéto. Oui, c'est...